Bonsoir à tous, on se retrouve pour le défi quotidien Turing Machine. J'ai tout installé, il est tard. J'ai failli pas faire ma vidéo, mais même si je suis très malade, je vais essayer de tenir ce soir aussi. Je risque de pas parler. Donc je vais voir si je coupe le micro ou pas. Voilà, on va partir. On va essayer de trouver le code. Peu importe si on bat la machine ou pas, là, je suis pas bien, il est tard. Je respire. J'ai une bronchite comme il y a 2 mois. Donc voilà, c'est pas cool. Donc on est parti. Qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais couper le micro et ce sera mieux pour vous, je pense. Mince, j'ai pas changé la date. Tant pis.
Bon, je réactive le son pour finir. J'ai trouvé un 12 coups. Ouais, quand j'ai fait première tentative, là, en fait, je pensais, et chaque fois, encore une fois, là, c'est un problème de vue. C'est pas un problème de compréhension, c'est que pour moi, comme je ne vois pas ce qu'il y a écrit, pour moi, c'était inférieur, c'était supérieur, non, c'était quoi? C'était l'inverse de ce qu'il y avait là. Donc là, c'était marqué que le triangle était inférieur au reste. Dans ma tête, c'était supérieur au reste. Donc tout de suite, inférieur à 2, il n'y avait que 1 fait. Donc si j'avais lu correctement ce truc-là, j'aurais trouvé. Et j'ai eu de la chance d'ailleurs de barrer les bons trucs. Enfin, je sais pas trop ce qui s'est passé. Mais ouais, c'était juste pour moi, je sais pas pourquoi, c'est supérieur. Donc c'est pour ça que j'avais pris 1. Mais bon, voilà. Et comme je vous ai dit, je suis pas très en forme. Mais j'ai quand même voulu le faire aujourd'hui parce que ben c'est le défi quotidien. Voilà, on fera mieux la prochaine fois. Là déjà, j'ai eu le courage de le faire alors qu'il est... Il est 22h. J'ai une journée compliquée. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de jouer à Turing Machine. Et on se retrouve très vite, dès demain, pour le défi quotidien. Merci à tous et à bientôt sur la chaîne. Bye bye.